Salut à tous, petite vidéo GTA pour ceux qui débutent, comment avoir de l'argent facilement. Alors c'est très simple. Déjà il faut se mettre ici, donc le mieux c'est d'acheter ce bâtiment là quand vous aurez assez d'argent. Et le but ce sera d'aller chercher une voiture qui spawn ici, qu'on peut vendre entre 15 000 et 18 000 au Los Santos Custom. Donc en fait je vais faire des tours. Tour du bâtiment comme ça jusqu'à ce qu'elle spawn. Alors cette voiture elle spawn entre 22 h et 4 h du matin tous les jours. Donc il n'y a plus qu'à y aller et vous ramasser. Je vais vous montrer le tour avant que ça commence, d'ailleurs ça va arriver. Donc c'est la Sentinelle XS. Une jaune, une bleue. Voilà, on a de la chance directement. Hop, la bleue, c'est celle qui vaut le plus cher. Hop, vous la prenez. Et direction Los Santos. Donc c'est vraiment rapide. En plus l'avantage c'est qu'ici il y a un Los Santos tout près. Donc voilà, c'est vraiment pour commencer le jeu, hein, vraiment pour faire les premiers dollars dans le jeu, c'est de l'argent donné, 17 420, alors qu'on n'a rien fait quoi. Donc là c'est pour ça que moi j'achète ce bâtiment là, comme ça dès que je fais les tours, hop, je remplis le bâtiment, je remplis le garage, peut contenir 10 voitures, donc ça fait de la petite argent de poche quoi. Donc maintenant dès qu'il y a assez d'argent, surtout ce que je vais faire, c'est acheter la moto pour faire les contre-la-montre. Contre-la-montre, très important. Donc pour ça, quand on commence, c'est la Akuma. La couleur, on s'en fout. Voilà. Deuxième astuce, on va se rendre au casino. Surtout, bien, bien tourner la roue tous les jours. Hein. Ça, c'est obligatoire. Donc on se rejoint au casino tout de suite. Bah alors, nous voilà au casino. Donc c'est très simple. Déjà pour pouvoir tourner la roue, faut aller voir ce gars-là. Acheter le pass VIP à 500 $. Donc c'est vraiment donné. Et après, vous avez accès à la roue tous les jours. Donc avant de tourner la roue, moi ce que je fais c'est que je vais voir la caissière là-bas pour récolter les petits jetons de la journée. Voilà, bonus visiteur, plus 1000 jetons. Voilà, nickel. Alors maintenant on tourne la petite roue. Je ferai une autre vidéo après pour comment choper la voiture à coup sûr. Donc ça, il y a une petite manip, mais c'est facile quoi. Alors, 20 000 jetons, allez hop. Alors, dernière astuce, tant qu'on est dans le casino, il y a les machines à sous, mais ça c'est très aléatoire. Moi je préfère les tables de jeu. Hop. On y va vite fait, même s'il court pas, c'est très très chiant ça. Donc si vous avez la suite avec terrasse, vous pourrez venir ici. Là normalement je ne peux pas. Voilà. Donc on va prendre, mais c'est le même principe. Hein.
On va prendre une table ici. Ça, c'est poker. Non, moi, il me faut blackjack. Poker. Blackjack. Voilà. Alors, tac. Mise max 5000. L'avantage, c'est que les autres tables, quand on a la suite avec terrasse, on peut miser 50 000, donc ça va beaucoup, enfin ça va beaucoup plus vite pour gagner de l'argent. Mais là, on reste là. Alors, le but du jeu, c'est de pas dépasser 21. Donc, alors j'ai 13. On va reprendre une 21. Voilà, j'ai gagné. Donc si vous perdez, c'est simple, juste avant qu'elle donne les jetons, vous faites fermer l'application et vous revenez à chaque fois. Comme ça, c'est de l'argent facile. Bon, là j'ai eu de la chance, j'ai eu 21 direct, mais des fois on perd. Donc voilà. Voilà comment gagner pas mal d'argent en très peu de temps quand on débute GTA. C'est vraiment très simple. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo astuce sur GTA 5. Allez, ciao!